Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du mardi 14 février 2023. C'était le samedi 11 février dernier qu'a été publiée les intentions du Saint-Père confiées au réseau mondial de prière pour l'année 2024. Pour le pape François, il y a plus de martyrs aujourd'hui qu'au premier jour de l'Église. Tant de nos frères et sœurs qui offrent leur témoignage à Jésus sont persécutés. C'est dans ce sens qu'il invite tout le monde à prier pour ces chrétiens, témoins courageux de l'Évangile et de l'Église jusqu'au péril de leur vie. La réponse chrétienne au mal étant l'amour. Le samedi 18 février prochain sera célébré à la paroisse Marie Auxiliatrice de Mikolongo la journée des guetteurs sur le thème sur les traces du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. Cette grande rencontre juvénile est organisée par la commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville, dont l'aumônier l'abbé Michael Oyonomusavu invite tous les jeunes des différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville à y participer massivement. Le rassemblement est prévu pour 8h le samedi 18 février 2023. Que le Seigneur bénisse cette rencontre des jeunes de notre archidiocèse. La célébration de la Journée mondiale des malades le week-end écoulé a été également célébrée dans le diocèse de Port-Gentil, précisément à la paroisse cathédrale Saint-Louis, où des consultations gratuites ont été organisées en faveur des paroissiens et d'autres malades. Cette journée, qui entre dans sa 15e édition, a été organisée par les membres de la communauté Saint-Camille de Lélis. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'informations de ce mardi 14 février 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.